Bonjour les amis, aujourd'hui je vais commencer par. Alors je suis allée chez Leclerc Drive. Donc pour la semaine, j'ai pris du jambon, 4 tranches de jambon supérieur à 1,99 € les 4 tranches. Ensuite, j'ai des allumettes de jambon. 1,14 €. Alors je les ai pris parce que c'était en promo. Comme ça, dans des pâtes, ça peut être sympa. Ensuite, il y a des dés de jambon. Ils sont à 2,75 €. Non, je me suis trompée. Ils sont à 1,14 €. Ouais, ça me paraissait cher. Je me disais, waouh! Donc c'est 1,14 € aussi, comme les allumettes. Et ensuite, voilà, à 2,75 €. C'est les raviolis emmental basilic. Ça, c'est nos chouchous. En ce moment, on en mange pas mal. Ensuite, on a de la salade. Alors, la salade, notre jardin, 1,15 €. Le sachet de 200 grammes. Cœur de laitue. Il faut vite la manger, hein. Ensuite, il y a du riz au lait. Alors, je trouve ça très sympa. Moi, parfois, je mange que ça le midi. Un petit riz au lait comme ça. Il y a 200 grammes dans chaque pot. Et le riz au lait éco, c'est 36 centimes le petit pot. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà. Ça peut faire un repas comme ça. Vite fait. Et donc c'est 36 centimes. Donc 72 centimes les deux. Alors, donc pour les produits frais, j'ai fini. Je vais ranger tout ça. Alors, en surgelé, je n'ai que du basilic parce qu'il reste pas mal de choses. Donc, le basilic, 1,44 €. Ça, c'est vraiment bien. Vraiment, ça sent bien le basilic. 1,44 €. Donc, voilà, je vais ranger ça après. J'ai un concombre. C'est 95 centimes le concombre en ce moment. Donc, c'est vraiment pas cher pour un concombre. J'ai pris des carottes. Alors, les carottes, panier du primeur, c'est 1,19 €. Il y a 1 kg de carottes. C'est pas mal, hein? Donc, si vous voulez les manger comme ça, râpées, cuites ou même en jus, je vais faire des jus. Voilà. Ensuite, j'ai un melon. Alors, le melon charentais, il est à 2,49 € au Drive Leclerc. J'ai pris des pommes à croquer. Et les pommes gala, c'est 2,30 €. Ensuite, j'ai des bananes. Il y a 5 bananes. C'est 1,89 €. C'est des bananes bio village. 1,89 €. Ensuite, j'ai pris des biscuits comme ça, un petit mélange de biscuits. Alors ça, c'est biscuit calèche, 2,88 €. 2,88 € le paquet, ça c'est pour un dimanche. J'ai une amie de ma fille qui vient, donc je me dis, voilà, elle choisira comme ça le biscuit qu'elle préfère. Ensuite, pour le petit déjeuner ou goûter, j'ai pris des granolas. Alors ces granolas, c'est 2,05 €. J'ai pris des petites galettes Bonne Maman, pur beurre. Elles sont à 1,44 €. J'ai pris du café. Mon préféré, c'est Carte Noire. Il est moulu. 5,63 € les deux. Ensuite, alors je vais passer, je vais dire pour ça les petits. J'avais envie, ça fait longtemps que j'ai pas goûté ça à la sève de pain. La Vosgienne. Je l'ai vu. Je crois qu'il y a une promo, mais il faut en prendre plusieurs. Comme ça, j'ai voulu retester ça. Sans colorant, sans arôme artificiel. Et donc, ça, c'est. La Vosgienne et bonbons, c'est 1,49 €. Ensuite, j'ai du Canderel. Parce que moi, je prends, je me. Je mets pas du sucre, je mets de l'aspartame dans mes cafés. Et donc,
Donc les 300 unités de Canderel, c'est 3,11 €. Ensuite, donc j'ai le café Dolce Gusto. C'est Ricoré. J'aime bien la Ricoré pour l'après-midi. Une petite Ricoré comme ça, en capsule. C'est 3,87 €. Et on a 16. Voilà. Ensuite, je vais passer à autre chose. Les essuie-tout. C'est tout à fait autre chose. Les essuie-tout. 1,69 €. Ensuite, le jus d'orange. Le jus d'orange. Pur jus de Joker. Alors, le jus d'orange est à. C'est sans pulpe. C'est 2 litres. C'est Joker, 3,04 €. Sans pulpe. Il y a 2 litres dans ce grand format familial. Et c'est 3,04 €. J'ai un pack de cristalline aussi que je n'ai pas mis sur la table. Il y a donc 6 cristallines. 95 centimes en ce moment la cristalline. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris des chips barbecue pour ma fille. Elle préfère ce goût-là. Ça, c'est vraiment pour un soir rapide ou un midi où on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de manger. Et donc, je prends ça. 73 centimes avec du jambon, des tranches de jambon, et c'est bon. Voilà, 73 centimes le sachet. Il y a 135 grammes. Et ensuite, on a aussi des chips allégés, 30% de matière grasse en moins. Ça, c'est pour moi. 1,05 €. Ensuite, j'ai pour les chats du Purina One. Alors, Purina One pour les chats. Là, il faut trouver. Voilà, l'animalerie. Sachet de Purina One. Il y en a 8, 4,01 €. J'ai aussi les croquettes, un petit paquet de 400 grammes à la dinde et riz comme ils aiment. Alors là, c'est 450 grammes. Oui, c'est 450 grammes le sachet. C'est 2 €. Attendez que je retrouve. 2,02 €. Les croquettes chat Purina One, voilà, 2,02 €. Ensuite, j'ai pris aussi le petit Sheba, là. Hein, c'est 80 grammes, le petit Sheba. Et là, c'est la petite barquette, c'est 78 centimes pour une petite barquette comme ceci. J'ai des piles. Alors, les piles pour la maison, 1,59 €. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai le lait. Alors là, je prends Viva parce que maintenant je ne veux plus prendre la marque Leclerc. Donc le lait demi-écrémé, hein, c'est vraiment mieux que je me suis trompée l'autre jour. J'ai pris du écrémé et c'est vraiment pas bon. Demi-écrémé, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai l'habitude. 5,48 € les 6. Ensuite, j'ai pris du coton comme ça, prédécoupé. Coton prédécoupé, 100% coton, 100 grammes. Il est à 74 centimes le sachet. Ça fait vraiment moins cher que si on achète peut-être dans une pharmacie, hein, je pense. Hein. Alors là, après, j'ai pris des cotons comme ça, démaquillants. Alors, coton démaquillant. Je cherche le prix. C'est 95 centimes le coton démaquillant. J'ai du liquide vaisselle aussi. Alors, le liquide vaisselle, c'est 79 centimes. Et pour finir, j'ai des sacs poubelles. 2,23 € les 50 litres. Et il y en a 15. Donc voilà. J'ai fait le tour de ce que j'ai acheté. Alors, on a encore beaucoup de choses à la maison. Donc voilà. Mes courses pour ce lundi 7 juin. À bientôt les amis, abonnez-vous. Merci aux nouveaux abonnés.
Je vous fais des gros bisous. À bientôt.